Bonjour à tous. Le Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire de la Cité à l'Université de Regina est heureux de recevoir le professeur Joël Béliveau, lauréat du concours 2015 du CRFM, pour son premier événement de l'année. Nous sommes aussi ravis d'accueillir quatre autres invités qui se joindront à la table ronde pour discuter des thématiques abordées par Joël Béliveau. Ces quatre discutants sont Michael Popliansky, Suzanne Campagne, Laurier Garraud et Dustin McNichol. Il s'agit aussi de la première conférence scientifique organisée sous l'égide de notre nouvelle entité, la Cité universitaire francophone. Joël Béliveau est professeur agrégé au département d'histoire de l'Université Laurentienne. Adepte de l'histoire intellectuelle et culturelle, il s'intéresse à la circulation et à la production d'idées au sein des minorités nationales en Amérique du Nord contemporaine. Examinant tant les questions sociales et économiques que les débats sur les questions identitaires, il œuvre à mieux intégrer l'histoire de ces groupes à l'histoire intellectuelle occidentale. Il a d'ailleurs publié de nombreux articles portant sur l'Acadie, le Québec et la Catalogne. Originaire du Nouveau-Brunswick, il a vécu d'un bout à l'autre de la ceinture bilingue du Canada, de Shediac à Sudbury, en passant par Fredericton, Edmonton, Montréal et Ottawa. Regina est en fait une des escales de Joël et de sa famille, puisqu'il a quitté au début de ce mois Sudbury, et ce pour quelques mois, pour aller à la rencontre des communautés minoritaires nationales d'Amérique du Nord, c'est-à-dire les francophones, et les communautés hispano-américaines, les Chicanos. Son projet de recherche actuel et sa démarche a, je cite, « comme objectif fondamental d'aider ces historiographies minoritaires à franchir un nouveau pas en contribuant à leur départicularisation ». C'est une démarche tout à fait originale et pertinente pour le rapprochement de ces communautés. Joël Béliveau, auteur de l'ouvrage « Le moment 68 et la réinvention de l'Acadie », va présenter une conférence où il traitera de la façon dont les francophones en Acadie, en Ontario et au Manitoba, ont vécu l'effervescence des années 60 et 70 en ouvrant sur des questions liées à la communauté francophone de la Saskatchewan. Une table ronde animée par l'historien Michael Popliansky, qui vient de se joindre à l'équipe de la Cité, suivra cette conférence. Des membres de la communauté françaisquoise, Suzanne Campagne, Laurier Garraud et Dustin McNichol, qui est aussi doctorant en histoire à l'Université de la Saskatchewan, participeront à cette table ronde, où sera relaté et discuté le vécu des francophones de la Saskatchewan dans les années 60 et 70. Avant de céder la parole à Joël Béliveau, j'aimerais remercier chaleureusement Angeline Dubois qui a organisé cet événement en collaboration avec la Société historique de la Saskatchewan. Donc, Angeline, un grand merci d'avoir préparé cela. Et je tiens aussi à remercier les autres membres de la Cité qui lui ont prêté main forte, ainsi qu'à Zahir Shahid qui va filmer cet événement. Un grand merci à vous tous. Voilà. Et Joël, à toi la parole. Merci, monsieur le directeur. Merci aussi à Angeline Dubois. Merci à la Cité universitaire, à la toute nouvelle Cité universitaire. Je suis ravi d'être ici. L'Institut de recherche, à la Société historique. C'est génial d'être ici en Saskatchewan. En fait, c'est ma deuxième fois en Saskatchewan. Ma première fois était en 1984. Ça ne me rajeunit pas. On traversait le pays avec mes parents en voyage, donc un voyage similaire à celui que je fais actuellement. Je suis vraiment content d'être ici pour découvrir, parce que là, vous me donnez un micro, c'est super gentil, c'est apprécié, j'aime bien parler, mais je suis aussi là pour écouter, hein, parce que je veux apprendre, je veux découvrir. Je vais vous présenter une communication qui tourne autour des axes principaux de mon livre. Hein. On va parler de comment le moment 68, là, que je définis à peu près comme les longues années 70, de 68 à 82, ont été vécues en Acadie du Nouveau-Brunswick. Je vais faire quelques liens avec des choses que j'ai vues en Ontario depuis que j'y suis. Je suis à Sudbury depuis 2009. Quelques liens avec le Manitoba que tranquillement je commence à découvrir. Et puis le plan était de lire sur la Saskatchewan en voyage depuis Sudbury jusqu'ici avec mes deux enfants et ma conjointe qu'on voit là-bas derrière, Elisabeth, Daphné et je ne vois pas Magali, et Magali qui est là. Mais en camping, finalement, la lecture n'est pas aussi facile que prévu jusqu'à maintenant. Je compte sur vous pour me dire jusqu'à quel point les choses que je dis, ça ressemble à ce qu'on a vécu ici dans les années 60. Qui a vécu les années 60-70 ici en Saskatchewan?
Donc, on a trois témoins directs. On a d'autres gens qui connaissent la situation indirectement. Donc, j'ai hâte à nos échanges. Alors voilà, mon premier livre qui est sorti l'an dernier, « Le moment 68 et la réinvention de l'Acadie ». C'était ma thèse de doctorat qui a été réaménagée. Et puis là, après une thèse de doctorat, on se lève un matin puis on se dit « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et puis, une des suites les plus logiques auxquelles j'ai pu penser, c'était de regarder à comment ce moment-là a été vécu par d'autres minorités nationales. Puis par minorité nationale, est-ce que quelqu'un connaît le terme, l'a déjà entendu? Oui? Minorité nationale? Oui. Ça serait quoi la différence entre une minorité nationale puis une minorité tout court? La minorité nationale, ça serait la collectivité de ces minorités. En mon avis, ça serait ça. Ça serait une collectivité forte. Plus puissante, peut-être une minorité qui se voit étant comme ayant certaines des caractéristiques d'une nation. Parce que le philosophe politique canadien Will Kimlicka définit ça comme une minorité qui était là avant l'État, hein, avant que l'État ne soit présent. Alors, on peut penser bien sûr tout de suite aux Autochtones, hein, qui étaient clairement sur le territoire avant que l'État canadien soit là. On peut penser aux Canadiens français, hein, qui étaient en Nouvelle-France, qui étaient en Acadie, qui étaient déjà sur les territoires de l'Ontario et de l'Ouest. On peut penser justement aux Chicanos hispano-américains dans le sud-ouest des États-Unis, qui appartenaient à l'Espagne, puis ensuite au Mexique, avant que les États-Unis s'imposent. Donc, on peut être d'accord ou pas, mais certains philosophes se disent qu'une minorité nationale, hein, un groupe qui est là depuis très longtemps, depuis avant l'État, a le droit à certains droits collectifs, si elle décide de se battre pour les garder. Alors, commençons. Donc, quand j'ai commencé ma thèse, en gros, j'avais quelques objectifs de base. Je savais que je voulais travailler sur les années 60, période qui me fascinait. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'écrits qui portaient sur les années 60 qui sortaient à ce moment-là, puis encore jusqu'à aujourd'hui. 15 ans passés, pratiquement tous les livres qui existaient sur les années 60 étaient écrits par des témoins, des acteurs, des gens qui avaient fait les manifestations à Berkeley, à Columbia, à l'Université de Toronto, à l'UQAM, etc. Et puis, il n'y avait presque pas d'historiens, ou il y avait quelques sociologues qui avaient commencé à écrire dessus, mais pas beaucoup. Et je me suis dit, on va poursuivre ça pour l'Acadie. Puis quand j'ai regardé à ce qui s'était écrit sur l'Acadie à ce moment-là, je me suis rendu compte que presque tout ce qui avait été écrit partageait une certaine fixation, presque une obsession pour la langue, la culture et l'identité. C'est un peu normal, hein, quand on est une minorité, des fois, même si on ne veut pas, on se regarde le nombril, on aime ça de se regarder le nombril, puis de parler de langue et de culture, parce qu'on a peur de disparaître. Mais là, je me suis dit... est-ce qu'il y a une manière de regarder ça autrement? Puis notamment le moment 68, je veux dire, c'est un moment où il y a eu des grosses manifestations, des énormes manifestations à Mexico, à Toronto, à Tokyo, à Prague, à Paris. Le moment 68 en Acadie, c'était pas juste la suite de l'histoire acadienne. Il y avait une dimension transnationale, clairement, mais personne n'avait exposé ça beaucoup. Puis là, je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être une manière de renouveler l'historiographie sur les minorités francophones du Canada, voir comment elles empruntent des idées qui viennent d'ailleurs, puis les appliquent à des enjeux, à des questions locales. Donc, j'avais une certaine volonté d'apporter plus d'international. Autrement, justement, encore sur ce point-là, je voulais continuer à contribuer à la compréhension de la modernité acadienne de manière plus large. Oui, ça m'intéressait de voir comment les discours sur la langue et la culture avaient évolué. Bien sûr, mais beaucoup de gens en parlaient déjà. Je me suis dit, la société s'est modernisée de plusieurs autres manières en même temps. T'sais, comment on voyait les femmes a beaucoup changé à ce moment-là. Puis quand on travaille sur Toronto, ça semble normal de parler des regards changeants sur les femmes. Mais quand on travaille sur l'Acadie ou l'Ontario français, on dirait qu'on revient toujours à la langue. Le rapport à l'autorité, hein, qu'est-ce qui est considéré légitime? Cette culture politique plus large-là, dont je parlais avec Dustin McNichol tantôt, elle change pendant ces années-là. Donc, je me disais, comment est-ce que je pourrais observer ça de plus près?
Ouais, troisième objectif, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais en gros, je voulais faire de l'histoire intellectuelle et culturelle assez populaire, là, hein, comment les discours dans la communauté évoluaient, mais le situer dans les changements structurels et sociaux de l'époque. Il y en a beaucoup à l'époque. La société de consommation est en train de se développer très rapidement. Les communications de masse sont en train d'arriver. La télé est très forte pour la première fois dans l'histoire. Les nouvelles sont instantanées. Les universités qui se transforment de petits collèges très paternalistes à des institutions géantes où le contrôle social est beaucoup moins facile. Donc, bref, je voulais regarder à ça. Comment ça se jouait en milieu minoritaire. Donc, en bref, je voulais faire une étude croisée des mouvements étudiants des années 60 en Acadie et de l'évolution de la culture politique acadienne. L'historiographie jusqu'à ce moment-là présentait le mouvement étudiant acadien comme étant simplement la prochaine génération de nationalistes acadiens. On parlait des nationalistes des années 1880, qui avaient inventé le drapeau, qui fait des grandes conventions nationales. On parlait des nationalistes des années 30, qui avaient résisté pendant la dépression à toutes sortes de choses. On avait parlé des institutions qui avaient été mises en place. Ah, puis là, les étudiants arrivent dans les années 60, puis c'est la prochaine génération. C'est comme ça qu'il était présenté. Puis je me suis dit, ouais, mais il n'était pas juste ça. D'autant plus que quand on lisait ce que les étudiants avaient écrit eux-mêmes, ils se voyaient beaucoup plus comme les membres de cette génération-là. Il y avait une revue canadienne à l'époque qui s'appelait My Generation. La génération était super importante, les pères. Les jeunes, il y avait un dicton dans les années 60, « Never trust anyone over 30 okay? ». Les autres, les anciens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. On crée un nouveau monde, notre génération. Et puis les vieux, on les évacue. Puis, quand je regardais ce que les étudiants acadiens de l'époque écrivaient dans leurs mémoires de maîtrise ou autre, ils s'identifiaient beaucoup plus à leur génération ailleurs, incluant les étudiants anglophones à Fredericton, à 250 km, que à ce qu'ils appelaient la patente. Parce que le mot « la patente » est utilisé en Saskatchewan aussi. La patente qui était une manière de désigner de manière spécifique l'ordre de Jacques Cartier, qui était une société secrète canadienne-française présente d'un océan à l'autre. Et puis, de manière plus floue, on parlait de la patente pour parler du leadership acadien en général, de l'élite acadienne. On ne s'identifiait pas du tout à ces gens-là, on s'identifiait à our generation. Donc, faire des rapprochements. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, comment est-ce que je peux opérer ça? D'abord, il faut que j'arrête de regarder à tout ce qui bouge en Acadie, à tout le monde qui parle au nom de l'Acadie. Je ne peux pas regarder aux pêcheurs, puis aux étudiants, puis aux gens qui créent le Parti acadien, puis aux syndicalistes, puis tout ça. Si je veux faire des liens avec l'extérieur, je me concentre sur un groupe, les étudiants. Puis là, je regarde comment ils échangent avec le milieu, mais aussi avec l'extérieur. Deuxièmement, je regarde à comment ils empruntent des choses qui se... quel parallèle est-ce qu'on peut faire entre leur histoire du mouvement étudiant en Acadie et le mouvement étudiant général, ou au Québec, au Canada anglais, aux États-Unis et en France? Et donc, je me suis mis à la tâche. Une thèse de doctorat, ça prend un peu de temps. J'ai regardé les journaux étudiants à Moncton, les journaux locaux aussi. Et puis, j'ai été chanceux, il y a un film qui existe qui s'appelle « L'Acadie, l'Acadie », Pierre Perrault et Michel Brault, deux grands cinéastes québécois, qui sont venus à Moncton en 68 et 69, puis qui ont filmé comme une cinquantaine d'heures, je ne sais pas exactement combien, mais tout a été retranscrit verbatim, comme mot pour mot, dans les archives qui sont maintenant aux universités Laval, des boîtes et des boîtes et des boîtes d'étudiants qui parlent pendant l'époque, incluant pendant des réunions, des assemblées générales d'étudiants, etc. Donc, c'est peut-être un des mouvements étudiants les mieux documentés au Canada, au moins pour les années 68 et 69. Donc, voilà comment je me suis pris. Alors, maintenant, on va tomber dans la matière comme telle. Dans les années 60, à Moncton, souvent dans l'Ouest ou même en Ontario, on pense en Acadie, c'est pas pareil. En Acadie, ils sont 30% de la population. Ça a toujours été facile, sûrement. Les Acadiens étaient pas mal invisibles dans l'espace public dans les années 60, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, comme ailleurs à l'extérieur du Québec. Et même jusqu'à un certain point, à Montréal aussi, cette dynamique-là était présente. Ils étaient visibles par leurs institutions. Tu avais un journal
qui est devenu un quotidien dans les années 1940, l'Évangeline, qui est devenu un quotidien grâce à une campagne de souscription partout au Canada français. Comme dans l'Ouest, on a eu des radios pour la première fois grâce à des campagnes de financement menées partout au Canada français. Donc le journal était là, il y avait Pignon sur rue, puis il sortait tous les jours. Il y avait une grande cathédrale, hein, Notre-Dame de l'Assomption. Mais sinon, quand on regardait à ce qui se passait dans l'espace public, hein, les cérémonies municipales, les événements importants, comme la fête de la Confédération, 1er juillet, l'Acadie était très peu présent. Je pense notamment au fait de 1965, le 75e anniversaire de l'incorporation de la ville de Moncton. Non seulement l'Acadie n'est pas mentionnée une seule fois, ou les Acadiens, qui sont comme un tiers de la population de la ville, mais en plus, on a choisi le Red Ensign, hein, l'ancien drapeau canadien avec le Union Jack dessus, plutôt que l'unifolié, la feuille d'érable, qui pourtant avait déjà été accepté comme drapeau officiel du Canada. Okay? Donc l'Acadie n'existe pas, n'est pas très visible. Les Acadiens s'en parlent, mais dans l'espace public, on n'existe à peu près pas. Ah, voilà, c'est ce que j'essaie de montrer ici, hein, les publicités en anglais, etc. À Saint-Boniface, Winnipeg, à Regina, j'imagine que c'était assez semblable. Maintenant, on pourrait croire que cette situation-là aurait fâché les Acadiens au point de devenir extrêmement nationalistes. Hein? Maintenant, avant moi, il y a déjà quelques historiens et sociologues qui ont montré que, malgré tout, au début des années 60, on est dans une phase d'accalmie, d'affirmation nationale. Les Acadiens, que ce soit l'élite, n'est pas très forte dans ses revendications. Pourquoi? Parce que la manifestation de ça, c'est qu'on a un premier ministre acadien. Pour la première fois, un Acadien est élu premier ministre. Y a-t-il quelqu'un qui connaît son nom par hasard? Louis Robichaud. Louis Robichaud est élu premier ministre en 1960, à une semaine de l'élection de Jean Lesage au Québec, qui va commencer la Révolution tranquille. Donc, on a un Acadien comme premier ministre. Alors, le mot d'ordre, c'est un petit peu hein, « don't rock the boat hein? ». On a un Acadien qui est premier ministre, on ne va pas trop déranger. Mais même sa présence-là, ça découle de ce que Ricky Richard a appelé le discours de la participation modernisatrice. Le mot d'ordre à l'époque, c'est on est dans une société qui évolue vite. On est dans une société qui change, d'une société du progrès, d'une société moderne. Replacez-vous dans l'histoire, là, on est au début des années 60. Okay? Je ne veux pas que les gens lisent trop, je vais enlever ça, un truc de professeur. On est dans les années 60. Hein. Pensez à ce que vous connaissez des années 60, que ce soit les Jetsons ou que ce soit I Love Lucy ou que ce soit peu importe. Hein. C'est une époque où les changements technologiques sont rapides, où aussi on croit qu'on peut réformer la société, la transformer. Hein. Lyndon Johnson aux États-Unis, son projet c'est The Great Society. On va créer The Great Society aux États-Unis. Hein. Un peu plus tard au Canada, Trudeau qui arrive avec son slogan de A Just Society, Canada must be a just society. Le progrès est possible et puis on va le faire en réformant nos structures étatiques, en créant des programmes sociaux, en ajustant la machine si on veut. Puis les Acadiens ont embarqué dans ce rêve-là en pensant ben la société peut être améliorée pour nous aussi, mais il faut qu'on joue le jeu. On ne peut pas juste rester dans nos institutions isolées, sous la houlette de l'Église, avec nos levées de fonds, etc. Il faut qu'on aille chercher une partie de la manne, hein, de l'argent du gouvernement. Hein. Le gouvernement peut nous aider à moderniser notre communauté. Mais pour faire ça, il faut qu'on joue le jeu. Hein. On ne peut pas toujours être sous le drapeau. Alors, on trouve beaucoup d'exemples de situations comme celle-ci. Ça, c'est de Adélard Savoie, qui a été le premier recteur de l'Université de Moncton, le premier maire de la ville de Dieppe. Donc, c'est très typique de ce qu'on voit à cette époque-là. Hein. Pendant longtemps, blablabla, nous sommes restés fidèles à nos origines culturelles et linguistiques à cause d'un repliement systématique sur nous-mêmes, à cause de l'isolement ou à cause de... etc., etc. Or, une telle situation n'est plus possible aujourd'hui et n'est pas davantage désirable. On veut le progrès. L'État peut nous le donner d'une manière ou de l'autre, soit avec des programmes sociaux, soit avec de l'aide directe. Mais pour ça, il faut minimiser les différences. Hein? Et puis, donc, ouais. Je
dans quel ordre je vais faire ça? Ouais, donc, ce discours de la participation modernisatrice va émerger. Au début, moi, j'ai cru que c'était une particularité néo-brunswickoise. J'en suis moins certain tout de suite. Je vous donne le punch tout de suite. Je pensais que c'était juste au Nouveau-Brunswick où on avait eu ce réflexe-là. Puis mon idée que j'ai développée avec Frédéric Boilly en 2005, c'était qu'au Nouveau-Brunswick, ils se disaient on est 32 %. En fait, ils croyaient qu'il était 40 % de la population à l'époque, parce que Statistique Canada n'avait pas encore commencé à demander quelle est la langue le plus souvent parlée à la maison. Ils demandaient juste c'est quoi votre origine ethnique. Ils pensaient qu'il était 40 %. Ils se disaient on est une grosse minorité, mais on est quand même une minorité. Donc, on peut tirer notre épingle du jeu, on peut convaincre l'État de faire bien des choses pour nous, mais il faut être gentil. Donc, on commence à jouer la carte du Nouveau-Brunswick, à jouer la carte canadienne. Puis, ce que j'ai imaginé à l'époque, c'était qu'en Ontario, Manitoba, Saskatchewan, ailleurs, on n'a pas pu prendre ce pari étatique-là. Étant donné qu'on est 5 ou 4 % de la population, on n'aurait pas eu assez de confiance pour faire confiance à l'État provincial, pour déléguer ces choses-là. En Acadie, ils ont pris les hôpitaux, ils les ont donnés à la province. Tiens, administrez-les. On n'avait pas peur que l'État transforme ces hôpitaux-là, qui fonctionnaient en français, en hôpitaux de langue anglaise. Parce qu'ils disaient, on est trop fort démographiquement. Puis à l'époque, j'ai pensé, ce réflexe-là n'a sûrement pas existé dans d'autres provinces. Je crois encore que c'est en partie le cas, mais je suis moins certain. Après avoir lu sur le Manitoba, après avoir lu sur l'Ontario, je vois qu'il y a quand même ce rêve-là d'une modernité, d'un nouveau type de communauté francophone qui est présent dans les années 60. Donc, on est en train de soupeser. D'une part, on veut se moderniser, puis on veut le faire avec l'État. D'autre part, on n'est pas certain qu'on fait confiance à l'État. Maintenant, ce discours-là sur la participation modernisatrice, sur le fait qu'on veut se moderniser en participant pleinement comme individu dans les affaires de l'État, dans l'économie, ça avait un pendant, un flip side, si vous voulez. C'était le discours de la bonne entente. Maintenant, le discours de la bonne entente, il existe au Canada français depuis la fin du 19e, il est régulièrement dénoncé. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il devient particulièrement fort dans les années 60. Et je crois que c'est à cause de cette idée-là qu'on veut participer, on veut collaborer avec l'État, on veut que l'État nous aide. Puis pour que l'État nous aide, il ne faut pas qu'on ait trop l'air d'une menace. Alors, on va dire que tout va bien, Madame la Marquise, tout va bien, les relations avec les communautés sont bonnes. L'État peut investir chez nous, nous aider, etc. Donc, ceci, c'est un exemple de ce discours-là. Encore une fois, c'est Adélard Savoie, qui est en train de parler au magazine... qui est à la collation des grades de l'Université de Moncton, l'Université de langue anglaise, mais qui, malgré tout, va faire quelques passages en anglais. « The two founding races living together in this province have developed a way of attempting to settle those problems around the discussion table. » The method is not yet perfect, but we think we are gradually improving it. We can fully succeed in New Brunswick. We may set an example for the rest of Canada. Donc ça, c'était un discours qu'on entendait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on entendait notamment beaucoup parce que ça faisait l'affaire de tout le monde. Par exemple, Georges Vanier, qui était le gouverneur général du Canada, le premier Canadien à être gouverneur général, va venir à Moncton et à Saint-Boniface aussi en 65. C'était l'époque de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Et dans les deux cas, il va dire « Ah, Saint-Boniface, ah, Moncton, vous êtes un exemple pour le reste du Canada. Les deux races, les deux groupes linguistiques qui vivent ensemble. » Puis dans les deux communautés, il y a des gens qui disent « Je ne sais pas si on est d'accord avec sa vision de l'harmonie. Là. Les jeunes, en particulier, trouvent que c'est pas que l'harmonie a un coût, hein, que c'est faut qu'on se ferme la gueule. Donc les institutions canadiennes, comme le gouverneur général, valorisent ce discours-là parce que ça permet de garder la paix puis dire que tout va bien au Canada. Mais les élites acadiennes, notamment Clément Cormier, qui était le premier recteur de l'université, qui était un père Sainte-Croix, va l'utiliser beaucoup aussi. Les élites acadiennes vont l'utiliser pour une autre raison, c'est pour rassurer. Oui, mais bien sûr que vous pouvez nous donner de l'argent pour fonder un Teachers College francophone. Regardez comme ça va bien. On n'est pas une menace. Les Acadiens ne sont pas une menace. C'est l'harmonie linguistique. Qu'est-ce que ça ferait? Quel tort est-ce que ça pourrait faire si on pouvait avoir notre bac en éducation en français?
au Nouveau-Brunswick ou ici en Saskatchewan. Hein. Donc, les élites francophones l'utilisent aussi. Et puis, finalement, les opposants, les francophobes, l'utilisent aussi. À l'époque, à Moncton, on avait un maire qui s'appelait Leonard Jones. Un gentleman parfait, toujours poli, toujours bien habillé, mais extrêmement francophobe. Détestait le fait français. Mais il était toujours très poli. Mais Leonard Jones utilisait les discours de la bonne entente comme une menace. Quand 4 délégués acadiens ont été reçus par Charles de Gaulle en France à l'hiver de 67-68, juste quelques mois après qu'il ait dit son fameux « Vive le Québec libre » à Montréal, Leonard Jones a dit clairement qu'il n'aimait pas du tout ça et que « dark clouds were gathering around the harmony of the city » blablabla. Je ne me rappelle pas exactement comment il l'a phrasé, mais en gros, il y a la bonne entente chez nous, allez pas trop demander de changement. Allez pas trop « don't stir the pot hein? ». Ça va bien. Ça fait rester calme. Puis au Manitoba, j'ai vu la même chose en 63, où l'Association d'éducation francophone de la province avait à se positionner. Est-ce qu'on allait demander simplement 50% de contenu français dans les écoles ou est-ce qu'on allait demander des écoles homogènes de langue française? Bien, le Winnipeg Free Press est sorti en disant « Est-ce que l'Association d'éducation canadienne-française du Manitoba va rester respectable, un interlocuteur valide et valable pour l'État provincial, ou est-ce qu'il va se joindre à la gang de radicaux qui demandent l'éducation de langue française homogène? » Ça fait, la bonne entente était utilisée aussi comme une sorte de bâton là, pour garder les gens calmes. Donc, c'est un discours qui arrange tout le monde. Voilà. Maintenant, l'historiographie traditionnelle disait ça c'était la situation des années 60 jusqu'à ce que les étudiants arrivent. Cette nouvelle génération d'étudiants-là va être nationaliste tout de suite, va revendiquer tout de suite des nouveaux droits linguistiques. Ils ne vont pas avoir peur de dire les choses dans le blanc des yeux aux Anglais. Hein? Ils vont dire aux élites qui sont une gang de couillards parce qu'ils ne sont pas en train de demander, pas de jeu de mots, là, parce qu'ils ne sont pas en train de revendiquer les vraies choses. Les vraies affaires. Mais, à ma surprise, quand j'ai commencé à regarder dans les sources, ce n'est pas ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que les étudiants, au début, ils s'agitent certainement, ils sont des membres de leur génération qui sont en train de faire une rupture avec l'élite acadienne, mais ils ne sont pas nationalistes encore. Hein? Ça, c'est une situation qui illustre la rupture. Hein? Comme ailleurs en Amérique du Nord, en 62-64, ils sont en train de dire que les étudiants ne sont pas en train d'attendre pour être des vrais acteurs sociaux, pour entrer dans la vie. Sachez-le, les étudiants, hein, que si vous étiez en 1965, vous ne seriez pas vus comme des vrais acteurs sociaux. Là, hein. Vous êtes vus comme des gens qui attendent pour rentrer dans la vie. Maintenant, vous avez le droit de vous exprimer librement, puis c'est vu comme légitime. Mais ça commence juste dans les années 60. Là, ils commencent à casser ce moule-là. Donc, en 64-65, beaucoup de choses comme ça. Hein. C'est à nous, les étudiants universitaires, de prendre notre lutte en main. Oui, aux armes, les étudiants. Les adultes ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Our generation. Okay. Mais ils ne sont pas nationalistes. Il y a plusieurs exemples de ça. Le meilleur étant, ils ont fait un sondage chez les étudiants de l'Université de Moncton en 65, demandant « Pensez-vous que l'Union des provinces maritimes serait une bonne chose? » 8/10 ont dit que ce ne serait pas une bonne chose pour le fait français dans les maritimes, mais quand même une nette majorité qui dit « Oui, je suis en faveur de l'Union des provinces maritimes. » Parce que l'Union des provinces maritimes, ça semblait comme équivalent au progrès, hein, à l'avancement. On aurait une province plus forte, plus centralisée, qui serait capable de faire plus de choses pour le développement économique et social et autres. Donc, ils ne sont pas nationalistes du tout, pour deux scènes. Et quand ils commencent à s'énerver un peu plus, sinon j'ai beaucoup d'autres citations qui disent ça, là, que de manière générale, à la fois les élites et les étudiants, c'est pas un moment très nationaliste, 1965, en Acadie. Quand les étudiants commencent à s'énerver en 68, d'ailleurs, c'est pas autour de la question nationale ou linguistique ou autre. Hein? Ils s'inspirent beaucoup de la Nouvelle Gauche. Ils citent des journaux de la Nouvelle Gauche nord-américaine à tour de bras. Et puis, d'ailleurs, ceux qui vont commencer le mouvement, c'est une grève contre la hausse des frais de scolarité.
Il y a une nouvelle hausse des frais de scolarité qui a été annoncée. Hein, il y a des choses qui ne changent pas. Et puis, ils vont se mobiliser, faire une grève contre cette hausse-là. Et puis, au début, c'est avec des termes très, très, très universels. Tout le monde a droit à l'éducation. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de hausse des frais de scolarité. On parle pour tous les étudiants de la province et du Canada. Puis, ils vont commencer à écrire des mémoires qu'ils vont réussir à aller déposer auprès du cabinet provincial à Fredericton. Bon, grève de 2 semaines. Mais le hasard a voulu que, pas longtemps avant cette grève-là, il y a aussi le rapport sur le bilinguisme et le biculturalisme qui a été déposé, le premier, de la Commission royale d'enquête, qui a montré empiriquement que les Canadiens français étaient économiquement moins avantagés qu'à peu près tous les groupes ethniques au pays, à part les Autochtones et les Italiens. Qui a fait jaser pas mal. Puis, il y a eu les commentaires du maire Jones, dont j'ai parlé tantôt. Dark clouds are gathering. Ce qui a fait en sorte que, en même temps qu'on parlait des frais de scolarité, on a commencé à parler de langue, un petit peu. Et puis, les étudiants, donc, ont décidé d'organiser une marche sur l'hôtel de ville pour réclamer le bilinguisme à l'hôtel de ville. Si on ne va pas à nos cours, puis on a toute la journée à discuter, on a le temps d'organiser bien les choses. Hein? 2000 personnes vont aller marcher. Des écoliers des écoles vont se joindre aux étudiants de l'Université de Moncton. Et puis, ils vont révéler le code caché là, des jeunes. Votre compréhension de la bonne entente n'est pas la même que la nôtre. Hein? Il y a la bonne entente parce qu'on se ferme la gueule. C'est ça, en gros, leur discours. Malgré tout, ils vont faire une présentation devant le maire Jones, très, très, très poli, très professionnel. Ils sont en veston. Mais le maire Jones est extrêmement froid envers eux. Insiste pour qu'ils parlent seulement en anglais. Beaucoup des échevins vont tousser pendant leur présentation. Donc, ils sortent de là humiliés, mais ils vont gagner la bataille de l'opinion publique, parce que ça passe à la télé, ça. Et puis, bien des gens du public, incluant anglophones, vont trouver que le maire a été quand même un peu bête. Mais ce qui va arriver dans les jours qui suivent, c'est une sorte de jonction de la question économique et linguistique. Donc, des citations comme ça, on va en trouver à la pelletée dans les journaux, puis dans les bobines de Pierre Perrault de ces jours-là. Hein. C'est une question économique, mais c'est aussi une question linguistique. Les étudiants de l'Université de Moncton ne peuvent pas payer plus de frais de scolarité parce qu'ils sont francophones, puis les francophones viennent des régions les plus pauvres de la province. Parce que leur famille ne valorise pas beaucoup l'éducation, si ça coûte trop cher, leur père, qui est un fermier ou un pêcheur, va juste dire que ça ne vaut pas la peine, etc. Puis on commence à faire ces liens-là entre l'économie et la langue. C'est encouragé par le contexte de l'époque. Hein, les penseurs de la décolonisation sont très à la mode à ce moment-là. Puis ils vont écrire 2 mémoires, un par les profs, un par les étudiants, mais qui ont des thèses très, très, très similaires. Hein. Le Nouveau-Brunswick n'est pas une province avec juste une population générale. Il y a 2 communautés au Nouveau-Brunswick, francophones et anglophones. C'est pas juste la langue qui les sépare, c'est la situation de vie, c'est les conditions matérielles, c'est l'éducation. Puis ils vont établir ça. Il y a des gens qui ont dit par la suite, ces profs-là étaient marxistes, ils étaient léninistes, ils étaient toutes sortes de choses. Mais quand tu regardes les mémoires, c'est juste de l'empirisme tout simple. Hein? On va mesurer la population active, hein, plus faible chez les francophones. La proportion qui ont travaillé moins de 40 semaines au cours de l'année, plus que le double chez les francophones. Le salaire moyen, à peu près 3/5 chez les francophones. Plus de travailleurs, double le nombre de travailleurs dans le secteur primaire. Le nombre d'échecs à l'école. Donc, ils vont commencer à sortir une logique que j'appelais communautariste, même si le terme est vu péjorativement en France. Commencer à dire, non, ce que ça nous prend, c'est pas juste de l'argent en général, c'est pas juste de l'éducation comme un droit universel, c'est de l'argent pour le rattrapage de la communauté. Hein? On a besoin de l'argent parce que l'Université de Moncton, ils ont la même subvention par étudiant que UNB, University of New Brunswick, depuis 1963. Mais UNB a 100 ans d'histoire derrière elle. Ça fait 100 ans qu'elle reçoit ces subventions-là. Puis, bon, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer qui découlent de ça, hein, pour changer les mentalités, etc. Là, je ne m'attarderai pas là-dessus. Juste un autre exemple de comment le mouvement à Moncton était branché sur les courants mondiaux. En 69, on passe de la grève
où on essaie de mobiliser tous les étudiants, on fait des référendums à tout bout de champ pour s'assurer que tout le monde est d'accord. En 69, ce n'est plus le cas. C'est une petite gang de radicaux qui vont occuper des bâtiments en espérant de faire bouger les choses. On voit la même chose à Sir George William à Montréal la même année, et puis à Paris notamment. Mais je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Mais c'est intéressant de voir ce shift-là. Hein, en 68, on croit que tout le monde va se faire partie du mouvement. En 69, ils disent « Ah, ça ne vaut pas la peine, c'est des suiveux, ils sont conformistes, il faut juste occuper, puis là, le gouvernement va réagir. » Donc, en gros, ma thèse, ça a été que j'essaie de montrer que pendant ces années-là, ils ont développé ce discours-là communautariste. Hein, on veut des choses pour la communauté, et non pas seulement comme un droit théorique universel. Hein? On veut un rattrapage pour l'Université de Moncton. On veut des programmes de développement régional pour nos régions. On veut toutes sortes de choses qui découlent un peu de la même logique. Puis ça va faire des petits dans les années qui suivent. Ça, c'est une photo du Parti acadien hein, qui est né en 1972. Puis quand on regarde le discours du Parti acadien ou de la revue Lacayen, on voit à peu près vraiment la même logique qui est mise en place, qui est appliquée par contre plus à des questions rurales puis de développement économique. Donc, comme j'ai dit, j'ai pas pu lire beaucoup sur la Saskatchewan, mais j'ai commencé ma recherche sur les Franco-Manitobains, puis j'ai quand même pu voir que malgré la différence en termes de population, il y a quand même des rapprochements qui peuvent être faits. Combien il me reste de temps? Il me reste un peu de temps, c'est parfait. Jusqu'aux années 60, au Manitoba, comme au Nouveau-Brunswick, comme en Ontario, et je suppose jusqu'à un certain point, jusqu'en Saskatchewan, vous me le direz, on avait une élite qui était quand même assez soudée, qui était parfois dispersée, mais qui était réunie dans un certain nombre d'organismes, puis qui pouvait se passer des mots d'ordre. Hein. Notre prochaine priorité, c'est telle chose. Hein. Toutes les associations, tous les clubs Richelieu vont demander la même chose en même temps au gouvernement. Hein. Et puis, ça exige des compromis, on n'est pas nécessairement hyper démocratique, mais on fonctionne en solidarité. Effet semblable au Manitoba comme au Nouveau-Brunswick, puis vous me direz si au Collège Mathieu ou ici à l'Université de Regina après 68, on a pu voir quelque chose de semblable. On a pu voir des profs de sociologie qui ont joué un rôle majeur dans la transformation de la vision de certains étudiants. Hein. Qui ont permis un certain désenchantement du monde. Parce que ce que les étudiants de Moncton ont dû faire, c'est décrocher de la vision de l'Acadie que l'élite donnait et véhiculait depuis 1880, puis essayer de se réinventer une nouvelle Acadie, hein, d'où le titre de mon livre. Oui, on veut perpétuer le fait français, mais on ne croit pas que l'Acadie n'est nécessairement foncièrement rurale ou catholique, etc. T'sais, on veut préserver la langue d'une autre manière. On définit l'Acadie autrement. Mais pour avoir ce nouveau discours-là, il faut d'abord que tu décroches jusqu'à un certain point. Puis, à Saint-Boniface, il y a eu Pierre Coulombe, au début des années 60, un peu plus tard, Jean-Guy Vaillancourt, qui ont joué un peu ce rôle-là. Qui ont pris le discours des élites, puis ils l'ont disséqué, comme une grenouille qu'on met sur la table. Puis on dit, ah, tiens, une grenouille, c'est pas un être magique, là, ça fonctionne d'une certaine manière. Ben, le discours acadien, il fonctionne d'une certaine manière aussi. Et ça va bousculer beaucoup d'étudiants qui vont devenir militants dans les deux cas. En Ontario aussi, à l'Université Laurentienne, à l'Université d'Ottawa, un peu moins pour des raisons que je ne comprends pas encore tout à fait très bien. Au-delà de ça, aussi un autre point commun que je vois entre le Manitoba puis le Moncton, c'est qu'il y avait des jeunes profs. Des jeunes profs qui se sont mis dans la gang des jeunes un peu. Hein? Et ça les a encouragés à prendre la parole plus facilement. C'est pas juste un schisme entre les étudiants et tous les années. C'est des jeunes profs qui les ont encouragés hein, à prendre la parole. Notamment, il y a deux profs qui ont organisé le ralliement de la jeunesse acadienne en 66. Puis il y a eu des ralliements importants à Saint-Boniface en 62, 63, 67 aussi, hein, où des jeunes profs ou des jeunes membres de l'élite vont permettre aux jeunes, encourager les jeunes de s'exprimer, même s'ils ne disent pas la même chose qu'on dit depuis un certain temps. Et ce qui va découler, hein, les jeunes vont produire une parole nouvelle, hein,
au Manitoba, j'ai découvert le journal étudiant Frontières, qui dans les années 60 a joué un rôle semblable à celui de liaison à Moncton. Plus tard, on va se forger une petite place dans le journal La Liberté. Une chronique qui s'appelait Opinion. Maintenant, La Liberté, je sais que ça a été partagé entre la Saskatchewan et le Manitoba pendant longtemps. Est-ce que dans les années 60, c'était encore partagé? Oui, donc on le lisait de part et d'autre. Mais il y a eu une chronique qui s'appelait Opinion, où la rédaction a donné libre cours à des jeunes d'animer cette chronique-là. Ça a duré quelques années, puis on a fini par la fermer parce que ça dérangeait un petit peu trop. On mettait en question, par exemple, le cléricalisme, hein, le contrôle de l'Église sur certaines institutions. Maintenant, à Moncton, c'est arrivé vers 63-64. Il y a eu un article qui s'appelait « Acadie 64, une impasse, point de question ». Le titre est fort, l'article était fort aussi. T'sais. Ce que les élites nous vendent depuis 100 ans, là, ça a bien marché, ils ont fait beaucoup de choses, mais là, ça ne colle plus avec notre époque moderne des années 50 et 60. Hein. On ne peut plus aller nulle part avec ça, on ne peut plus faire de gaz. On ne peut plus faire de millage. Mais en 63, on voit des articles de Georges Allaire sur le Manitoba français, extrêmement noirs, extrêmement sombres. Si on continue comme ça, il ne restera plus rien. Il faut inventer une autre manière d'être francophone au Manitoba. Donc, le parallélisme dans le timing est assez frappant. Dans les deux cas, l'étranger a souvent été bouc émissaire. C'est les Moses de Québécois qui venaient troubler le calme et la bonne entente chez nous. Hein? Les élites vont dire que tout allait bien là, jusqu'à ce que ces profs québécois-là ou ces étudiants québécois-là viennent déranger. On a trouvé la même chose au Manitoba avec Raymond Durocher, qui était le rédacteur de La Liberté. On a retrouvé la même chose en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. Et j'imagine que ça c'était présent dans la dynamique ici, de rompre avec la tradition. Les jeunes Acadiens en 66 vont dire le drapeau, l'hymne national, à peu près tous les symboles de l'Acadie, c'est bon pour le musée. On met ça au musée, c'est fini. Hein? Les jeunes de Cano à Sudbury, la coopérative des artistes du Nouvel Ontario, la tradition a très peu d'intérêt pour ça. La contre-culture, oui. La tradition, non. Puis au Manitoba, on voit quelque chose de similaire. Donc, comment? Il faut regarder plus finement. Je n'ai pas regardé les discours des étudiants manitobains ou françaisois encore. Puis plus que j'avance, plus que je pense que ce serait un travail à faire en équipe. Hein? On peut peut-être faire un colloque là-dessus ou un ouvrage collectif. Même volonté d'utiliser les outils de la modernité. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça sera la nouvelle Françaisquoisie ou le Manitoba français, mais on va utiliser les outils de la modernité. Hein. On sait qu'on va être plus démocratique. Il y a des gros mouvements à cette époque-là pour prendre la société d'éducation canadienne-française du Manitoba puis la démocratiser. Même chose avec la Société nationale de l'Acadie, avec l'ACFO en Ontario. Donc, parce que la démocratie est vue comme étant plus moderne. On ne sait pas si on peut être démocratique et minoritaire en même temps, mais on va essayer. Hein? C'est un peu ça, l'idée. Aussi au niveau de la culture. Okay? Les collèges classiques ont fait énormément pour la culture. Ici au Collège Mathieu aussi, pièces de théâtre, on faisait venir du Molière, on jouait du Molière, on faisait toutes sortes de choses. Ça crée des traditions, des capacités musicales notamment aussi. Mais là, tout à coup, dans les années 60, on se dit, OK, mais c'est bien, on a ces capacités-là artistiques, mais on va les appliquer. À la place de jouer du répertoire traditionnel, on va essayer de jouer la musique folk en français, ou la musique des chansonniers français ou québécois, ou encore mieux, hein, comme Daniel Lavoie au Manitoba et M. Campagne ici, hein, inventer des compositions de notre cru. On va jouer du Michel Tremblay. Hein, faire parler les Canadiens dans leur langue populaire à la place de juste jouer du français standard. Ça causait beaucoup d'inconfort. La première fois qu'on a joué du Michel Tremblay à Saint-Boniface, hein, qui parlait en joual. Puis Cano, qui chantait en joual. Puis 1755, qui chantait en acadien, en chiac, etc. Beaucoup de gens n'étaient pas à l'aise avec ça. Mais ces gens-là se disaient non. Si on va continuer de s'identifier comme francophone, il faut qu'on se reconnaisse. Voilà, à peu près la même chose. Puis malgré tout, il faut dire, hein, les institutions représentatives
l'ACFO en Ontario, la SNA au Nouveau-Brunswick, la Société d'éducation franco-manitobaine, vont s'adapter tranquillement. Les jeunes vont les déranger, vont les agacer, mais peu à peu, hein, ils vont léguer les rênes de ces organismes-là. Et puis, un transfert générationnel qui se fait vers la fin des années 60, dans tous les cas que j'ai pu voir. L'Ontario est un cas plus compliqué, pour des raisons que je comprends encore mal. Mais de ce que je peux voir, par contre, le Manitoba, la transition semble se faire même plus tôt qu'au Nouveau-Brunswick. Donc, ce n'est pas nécessairement juste une question de taille de la communauté. Hein. C'est les idées qui sont véhiculées, puis comment faire, est-ce que les jeunes peuvent s'affirmer, puis c'est dur, c'est intangible. Comment ces changements-là se font? Pourquoi en Ontario? J'ai l'impression qu'en Ontario, on est plus à cheval, on est encore... Une bonne partie de l'élite est encore attachée plus qu'ailleurs à la tradition catholique. Ce n'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste, c'est comme ça. Peut-être parce qu'on est très appuyé sur les écoles catholiques en Ontario aussi. Même débat autour du bon ententisme versus ceux qui voulaient frapper plus fort. Hein. Le contenu scolaire au Manitoba, puis j'imagine en Saskatchewan aussi, ça a été une grosse question où il y a des gens qui disaient « Doucement, doucement, on avance à petits pas, puis graduellement, on veut avoir nos écoles plus francophones. » On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air à la fin. Puis d'autres qui disaient, non, écoute, c'est fini, là. On est en train de se faire assimiler trop vite. 5 minutes, parfait. Ça nous prend des écoles françaises, là, maintenant. Puis inquiétez-vous pas, on ne va pas perdre notre anglais. Là, ce discours-là, on l'entend beaucoup aujourd'hui. Mais c'était radical à l'époque. Hein? On croyait qu'on avait peur d'offusquer les anglophones. On avait sincèrement peur qu'on perdrait notre anglais. Hein? On n'avait pas encore démontré qu'on se disait dans un monde, on veut être à la fois les deux, on veut être à la fois francophone et anglophone. Ça nous prend une éducation 50-50 au mieux. Bon ententisme. Ouais. Au Nouveau-Brunswick, ça a plus été sur la question de la gestion scolaire. Là aussi, une idée qui semble normale aujourd'hui. D'avoir des conseils scolaires francophones qui desservent les mêmes territoires que des conseils scolaires anglophones. On a ça coast to coast maintenant. Hein? Mais c'est à Moncton qu'on a demandé ça la première fois en 67, 68, à peu près dans le même moment. Et quand ils ont sorti, parce qu'il y avait un district bilingue nouvellement formé, puis les francophones ont dit non, c'est pas du vrai bilinguisme. Avez-vous déjà vu des institutions qui ne sont pas vraiment bilingues? Ça existe un petit peu partout. Mais en tout cas, les francophones ont dit non, c'est du faux bilinguisme. On veut notre propre conseil scolaire. On veut être rattaché au conseil scolaire francophone d'à côté. Et les résidents de Moncton ont dit deux conseils scolaires dans le même territoire. Qu'est-ce que vous allez demander après? Deux maires, un francophone et un anglophone? Ouais, c'est ridicule. T'sais, c'était vu comme pas possible. Donc, même débat autour de ceux qui veulent aller plus vite puis ceux qui disent doucement, doucement. Quelques différences avec le Manitoba. La décléricalisation, au Nouveau-Brunswick, c'était un consensus. Tout le monde voulait décléricaliser. On faisait confiance à l'État, on faisait confiance aux laïcs, on passe à autre chose. Au Manitoba, pas certain, moins certain. Les grands débats sur les droits des écoles catholiques ou françaises. En Ontario, énorme débat. Est-ce qu'on veut des écoles catholiques à tout prix ou est-ce qu'on accepte des écoles publiques de langue française? Ça a vraiment divisé la communauté longtemps. Ça l'a divisé encore aujourd'hui. Au Nouveau-Brunswick, c'était absent parce qu'un système d'école publique unique a été imposé en 1871. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut tenir en considération. Au Nouveau-Brunswick, il y avait déjà des écoles bilingues. Ça nous semble comme un peu bâtard aujourd'hui, mais malgré tout, tout le monde savait que les écoles bilingues, c'était les écoles des francophones. Donc, quand c'est venu le temps d'augmenter le contenu francophone dans ces écoles-là, ça n'a pas été très controversé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'anglophones, presque pas, dans ces écoles-là. Alors qu'en Ontario, mettre plus de contenu francophone, au Manitoba, ben, ça dérangeait, parce qu'il y avait des anglophones là. Donc, on peut avoir un certain nombre de cours en français, mais là, si on augmente trop, là, eux n'auront plus assez de cours. Voilà. OK. Ben c'est tout. C'est tout pour l'instant. Ça fait... merci encore pour l'invitation, puis me donner la parole pour 45 minutes. C'est vraiment courageux. Puis j'ai hâte d'échanger avec mes collègues. Merci. Merci. Alors, ce que
Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre quelques questions. Ensuite, on va faire un petit intermède, 5 minutes, et on passera ensuite à la table ronde. Donc, je vous invite, si j'arrive à prendre le micro. Voilà, je vous invite à poser quelques questions à Joël, si vous le souhaitez. Bonjour, je m'appelle Sylvain Roux, je suis professeur de ce département. Bien, merci pour la présentation, c'était vraiment très informatif. Je voudrais vous poser une question. Comment est-ce que vous définissez les droits d'une collectivité? Est-ce que c'est comparable, par exemple, aux droits de la personne? C'est ça, j'ai utilisé le terme communautarisme tantôt. Mais c'est l'idée, vraiment, qu'on passe de revendiquer certains droits parce que c'est notre droit comme individu. Par exemple, Louis Robichaud veut faire une grosse réforme de la taxation et des services en 65, qui s'appelle « Chance égale pour tous ». Les francophones disaient « Oui, on a le droit d'avoir des services équivalents pour des taxes équivalentes. Hein? » Okay? Donc, tu n'as pas besoin de faire appel à la culture, à la langue ou au statut de minoritaire ou défavorisé du tout. Les comtés francophones étaient plus pauvres, il fallait qu'il y ait des taxes très élevées pour avoir des services moins bons. Il y avait des meilleures écoles à Saint-Jean, puis tout le monde le savait, parce que la base fiscale était plus grosse. Okay. Donc ça, tu peux revendiquer ça comme un droit individuel. Tu sais, je mérite des services aussi bons qu'à Saint-Jean. Puis ça va arriver dans les années 60. Ça. Puis là, les Acadiens, au début, croient que ça va être suffisant. Puis là, ce qui arrive en 67-68, ils se disent, aïe, aïe, non, sais-tu quoi, il y a encore des problèmes. Il y a un problème de rattrapage, il y a des problèmes de développement économique. Nos régions ont été négligées pendant 100 ans. Okay. Donc, on veut des fonds spéciaux pour développer la péninsule acadienne, qui commence juste à s'appeler la péninsule acadienne à l'époque, ben, peu importe, pour développer les régions francophones. On veut des fonds spéciaux pour notre université. Puis, tiens, un exemple concret de la logique communautaire ou des droits collectifs. L'Université de Moncton recevait 20% des fonds dédiés aux universités en 68. Pourquoi? Parce qu'elle avait 20% des étudiants. Mais les étudiants vont répondre, oui, mais ils ont juste 20% des étudiants parce que les Acadiens ne vont pas à l'université, parce que ce n'est pas dans leur tradition, parce qu'ils sont trop pauvres. Hein? On est 35 ou 33 ou 40% d'Acadiens dans la province. Ça, c'est la seule institution de langue française. Donc ça, c'est notre institution. Ce n'est pas juste une autre institution universitaire. C'est notre institution. Elle devrait recevoir 40% des fonds en tant que seule institution francophone, même si elle a juste 20% des étudiants. Donc là, c'est vraiment la logique communautaire appliquée à cet enjeu concret-là. C'est un droit collectif. Les francophones ont le droit d'avoir une éducation de la même qualité que les anglophones. Puis, si pour faire ça, il faut donner au prorata d'étudiants plus d'argent à l'Université de Moncton pour un certain nombre d'années, en attendant que le rattrapage soit fait, ben soit. Donc, c'est peut-être le meilleur exemple que je peux penser. Ou juste le fait d'avoir des conseils scolaires distincts. Là, c'est un petit peu flou. On peut dire que c'est peut-être... Trudeau dirait, non, ça c'est un droit individuel que tu as d'avoir l'éducation en français. Mais les communautés peuvent dire, non, nous, on veut la gestion de ces conseils scolaires-là aussi. On veut les gérer nous-mêmes. C'est un droit collectif. C'est plus un droit individuel. Une autre question? Bonjour. Merci, Mekakon. Quel est le rôle de la mémoire dans les revendications politiques de cette époque-là? Parce qu'une des choses qu'on remarque avec les Françaisois dans les années 60 et 70, c'est qu'il y a une mémoire de l'ancienne Ouest, le Old West, de cette époque-là où ce que les francophones étaient là, qui ont pu avoir une vie pleinement en français. Ouais. Et ça, je me demande si ça c'est quelque chose d'universel pour les minorités nationales, c'est-à-dire la mémoire de comme presque une utopie avant l'arrivée de l'État. Donc, est-ce que vous voyez dans vos recherches qu'il y a comme une revendication, un rappel de la mémoire ou une certaine interprétation historique qui nourrit cette politique, ou est-ce que c'est vraiment une rupture avec le passé, puis on passe à d'autres choses, on est en train de se réinventer, de se recréer? Quel est le rapport avec l'histoire qu'a la communauté acadienne à cette époque-là? Excellente question. C'est une bonne question, mais j'aime celle-là. C'est sûr, c'est une chose qui m'a frappé en arrivant à Saint-Boniface. Contraste avec l'Ontario, peut-être. C'est voir
réel partout. La mémoire, l'histoire, l'ancrage historique est partout. Puis ça m'a fait penser à l'Acadie, parce que là, en Acadie aussi, c'est cette idée-là, on était là en premier, on a été déportés, il y a eu d'immenses torts qui ont été faits à cette communauté-là, et donc maintenant on a le droit d'exister tranquille, merci beaucoup. Mais je trouve que le passé francophone et métisse de l'Ontario entre un peu dans cette définition-là, d'une manière que je ne suis pas certain qu'en Ontario, ça soit aussi présent. En Ontario, on voit beaucoup, beaucoup de communautés où les francophones sont arrivés tôt, en même temps que les anglophones, mais pas nécessairement beaucoup avant. Puis il n'y a pas comme ce passé plutôt francophone-là qui précède. Sauf dans certains endroits, comme à Détroit, Penetanguishene, il y a comme des traces avec des voyageurs et puis du vieux fort à Détroit. Donc, oui, mais le rapport à la mémoire est bizarre dans les années 60, justement. Tu as bien deviné. Au début, les étudiants veulent l'acheter à la poubelle. Mais je pense que ce récit de la déportation, puis de toutes les histoires qui sont liées à ça, comme Évangeline, malgré tout, les suivait. Puis, un exemple de ça, au milieu des années 60, les Acadiens, les jeunes Acadiens commencent à délaisser le mot « Acadien ». Ça fait trop vieux jeu, ça fait trop traditionnel. Un Acadien, c'est un soumis. Hein? C'est un frotté de plancher, comme la sagouine. Hein? Et ils commencent à s'appeler « Canadien-Français » à la place. 63, 64, 65. Mais là, c'est exactement à ce moment-là que les Québécois arrêtent de s'appeler Canadien-Français. Parce que pour eux, Canadien-Français, ça faisait plus ouvert. Hein? Canadien, mais francophone. C'était ça la connotation qu'il y avait pour eux. C'était plus ouvert sur le monde, sur le Canada. Puis là, les Canadiens-Français du Québec commencent à s'appeler Québécois. Puis ils se rendent compte de ça. Donc, ils arrêtent d'utiliser ça. Puis ils ne savent pas trop. Jusqu'à ce que Jacques Ferron arrive en 72, puis leur dise, écoutez, là, en 71, si vous n'êtes pas acadien, vous n'êtes rien. Branchez-vous, là, vous êtes acadien, puis revendiquez-vous acadien pour demander quelque chose. Michael Popliansky, votre nouveau prof, a fait un excellent article qui n'est pas encore paru sur le rapport des néo-nationalistes acadiens à la fête du 15 août, hein, puis comment le 15 août, malgré tout, là, on voit les liens avec les vieux mythes de l'Acadie, de la déportation, etc. Apparaître bientôt, je vous le conseille. Michael, t'es mieux de l'attribuer dans les cours. Vous avez parlé brièvement du questionnement à propos de l'identité que les étudiants ont entrepris autour des années 68. Qu'est-ce que seraient les critères identitaires avant et après les 68? Comment est-ce qu'on se définissait avant et après cette date? Juste pour trouver que je peux juste un voyage de touriste, je vais regarder une photo de... La question était comment l'identité la définit. Il y a une chose qui va se faire justement entre 68 et 72, pour un peu de temps, c'est une jonction entre les idées de justice sociale de nouvelle gauche, d'un certain socialisme, de social-démocratie, puis l'effet acadien. On va, j'essaie de mettre de l'ordre dans les idées, revendiquer ces droits collectifs-là. Sur la base de ce que j'ai montré, du tableau que j'ai montré tantôt, les Acadiens méritent une attention particulière parce qu'ils sont défavorisés. Hein. C'est une question de justice sociale en même temps qu'une question culturelle et linguistique. Hein. On est un peuple dominé, exploité, c'est un langage fort. Okay. Je ne dis pas que j'adhère nécessairement à cette vision-là des choses, en fait, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais les militants de l'époque vont dire, on n'est pas juste francophones, là. On a été une sorte de prolétariat pour la province. On a travaillé pour des peanuts, pour les grandes compagnies de pêche loisienne. Et c'est ça, cette injustice sociale-là qu'il faut corriger. Et donc, cette nouvelle identité acadienne qui apparaît, qui est une identité plus proche de la gauche, plus militante pour justice sociale. Et le Parti acadien va être déchiré, d'ailleurs, en son aile.
c'est plus communiste et son aile plus nationaliste. Ça va beaucoup faire de. Et puis, parce que je pense que cette notion-là a duré jusqu'aux années 80, là, comment ça s'est tiré maintenant? Mais on continue. Hein, ce qui est intéressant aussi, c'est que les revendications politiques sont beaucoup axées là-dessus. On a le droit de faire l'attrapage là. Mais au niveau populaire, au niveau des représentations, les évangélines, le mythe de la déportation, de l'errance de ce peuple-là, ça reste très, très, très fort. Puis on le voit dans la production artistique des années 70 aussi. Merci beaucoup. J'espère que les photos ne sont pas trop mauvaises. Une dernière question? Moi, j'aurais voulu en poser une, si vous me permettez. C'est concernant les liens internationaux ou transnationaux qui existaient dans les années 68. Vous avez référence au fait que les jeunes se référaient non pas à leurs aînés, mais à d'autres jeunes, à d'autres mouvements sociaux. Est-ce que, par exemple, il y a eu des références, et là je devance un peu votre recherche sur le plan comparatif, est-ce qu'il y a eu des liens avec, par exemple, les Chicanos? Est-ce qu'il y a eu des liens comme ça dans les Amériques, et qui ne correspondaient pas forcément aux liens linguistiques qu'on peut imaginer, c'est-à-dire entre français, ou enfin, avec des mouvements sociaux français ou anglais, mais aussi peut-être espagnols ou hispanophones? Non, ce qui m'intéresse avec les Chicanos, c'est histoire parallèle là, dans les années 60-70, il y a eu un gros mouvement chicano aux États-Unis, chicano-chicana, dimension féminine à l'air la plus forte là-bas. Ils vont revendiquer des droits linguistiques et collectifs, mais aussi l'affaire à la discrimination, hein, et le droit des Américains comme les autres. Puis je trouve ça intéressant que ce soit parallèle. À ma connaissance, je n'ai jamais vu de lien d'identification. Par contre, le contact avec la Louisiane va commencer à ce moment-là. La Louisiane va commencer, le codophile va être créé pendant ces années-là, au début des années 70, l'enseignement en français, l'immersion. Et puis, Zachary Richard, par exemple, va venir au Nouveau-Brunswick pour la première fois dans les années 70, lors de grosses manifestations culturelles. Elle va commencer cette découverte-là. Donc, avec la Louisiane, des liens. Avec l'Ontario et l'Ouest, un petit peu aussi, mais je pense que c'est plus des liens qui se font avec des idées qui circulent dans les journaux. Par exemple, dans les années 60, on va commencer à s'identifier comme des jeunes travailleurs intellectuels, qui est une définition de l'étudiant qui vient directement de la France. Donc c'est plus par le texte, par des conférences aussi, un peu. Merci beaucoup, Joël. Alors, j'aimerais d'abord vous remercier, Joël, pour cette présentation fascinante, très stimulante. Merci beaucoup. De prendre une pause de 5 minutes. Une petite information avant cela, cette présentation a été filmée et la vidéo sera en ligne à l'automne. Vous pourrez revoir cette présentation si vous le souhaitez et communiquer à vos réseaux que cette vidéo sera en ligne à l'automne. Voilà, rendez-vous dans 5 minutes. Merci. Merci beaucoup.